Les amis, camions sont aujourd'hui Bakou, Yakolanda, Solo la plus, ya mercredi 10 janvier 2024, Nazan et Sengoma Kasi, Yakokouta Nadi Soussou, Nabino, Mbote Nabino. Conformément à son rôle lui attribué par la Constitution de la République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI a publié qui lobby et qui ba résultat provisoire ya ba législative nationale na République démocratique du Congo. Na allocution na ye président ya CENI Denis Kadima a remercié qui population congolaise pe ba mission d'observation électorale pour na ndenge ba dénoncé qui ba irrégularité enregistrée lors ya déroulement ya ba élection générale ya le 20 décembre 2023. C'est ici l'occasion de remercier les électrices et électeurs congolais pour avoir dûment documenté ces irrégularités, notamment grâce à la non-coupure de l'Internet, contrairement aux processus électoraux passés. J'aimerais rappeler que cette action de la CENI n'est nullement une chasse aux sorcières, mais elle s'inscrit dans la ligne droite de son plan stratégique, qui est principalement celui de s'aligner sur les standards électoraux internationaux. Pe nde nasima, bayaki kotanga kombo ya 477 députés nationaux sur les 500 oyo esengeli ba siéger na Assemblée nationale. Kinshasa. Province de Kinshasa. Kinshasa Funa. Il y a 12 sièges à pouvoir. 1. Iyeli Molangi Edi. MLC. Muya Yakatembwe Patrick. ANB. Amissi Makutano Adolphe, UDPS Tshisekedi, Lukulasi Masamba Jean-Marie, AACPG, Vwanga Mukongo Christelle, Ensemble, Kaziteriko Kenda Faustin, Abar AUNC, Dikala Majed Lubazadio Géry, 2 Abar TDC, Ndia Malibalidi AB, Osango Senga Lambert, 4 AC, Karumon Kilala Pepito, ACP bar A, 11 Poika Dimagode, Abar B50, 12 Nzinga Landu Moyas Nixon Atua. Circonscription de Lukunga, 14 sièges à pouvoir. 1. Mwaba Kaza Ditoni, UDPS Tshisekedi. Bemba Kabuya Samuel, AACRD. Nsamba Kalambai Antoinette, UDPS Tshisekedi. Bumba Lukaku, Lubaki Daniel, UDPS Tshisekedi. Tambwe Mposhi Sharma Eliezer, 4 AC. Bandubola Mbongo Acacia, 2 Abar TDC. Katasi Kiala Kennedy, Abar B50. Mole Kansolo Wivin, AB. Mbouika Longi Jean-Marie, ANB. Bimola Ron Roger Etienne, A24. Sangana Bilonda Clémence, A3A. Bahati Baseme Emmanuel, AFDCA. Kassanda Katwala Olivier, AMSC. Efambe Ekamba John, MLC. Kinshasa Moamba, 11 sièges à pouvoir. 1. Kazadi Kankon de Pita, 4 AC. Kabuya Chilumba Augustin, UDPS Tshisekedi. Kibuka
Kiakese Raphaël MLC, Mayo Mambeke Jean Baudouin Abar AUNC, Kenda Cha Mukambu Benjamin AVCA, Mabilou Mbayou Mukala Pius AACPG, Eyanga Mboyo Venance AABG, Mbikai Mabuluki Steve AAAP, Madia Mwamba Dorothée AB, Ilanga Bakonga Regen ANB, Moulanga Ntumba Liliane 2ATDC. À Tchangou, il y a 19 sièges. 1. Chilumbu Kantola Paul UDPS Tshisekedi, Mota Ngaliema Léonard AA Barcé, Chibalabala Mukunai Francis UDPS Tshisekedi, Chilombo Kabwenda Doli UDPS Tshisekedi, Bialosuka Wata Jonathan AB, Eshiba Kasemwana Patrick AA CPG, Ngoi Mvuzi Jean ACPA, Kalonji Ogi 4AC, Bidwaya Sephora Astrid 2A bar TDC, Kangila Kawela Prince AAC bar Palou, Kilubu Kutuna Séraphine A bar B50, Mutinga Kiet Marie ANB, Itina Mayamba Hermès AVCA, Mboma Kumeza Gaborian Abar AUNC, Mushi Yaya Yalake Frida AAAP, Nganini Atabukatuba Pakis AABG, Mona Mbumu Richard AAEC, 18 Chakasaka Tete Benoît AAD bar A et 19 Ntabala Roakuba Antoine AFDCA. Province du Congo central, Monsieur le Président. Congo central, Bomaville, 2 sièges, 1. Longo Nicholson fils UDPS Tshisekedi, Nyongo Nswami Marie-José AAAP, Kasangulu Budimbu Ntumbwanga Didier AVCA, Mokoko Kinamvwidi Didier Anissé AV, Kimvula un siège, Mfuti Kiaku Jean-Simon UDPS Tshisekedi, Lukula deux sièges, Tundu Jonas Abar AUNC, Matoko Luemba Donatien UDPS Tshisekedi, Luozi un siège, Ngwadianza Bayokisa Kisula Nerfetiti AAAF, Madimba deux sièges, Lukoki Nsimba Mikael AABG, Matutula Mukanda Georges AB, Matadiville Nzuzi Umba Persi UDPS Tshisekedi, Bandu Ndungidi Gui AABAR UNC, Nzuzi Kasa Amzi AVCA, Mbanzangungu, 4 sièges, Mukoko Samba Daniel AUN, Nsumbu Muntu Kalavo Pierre AV, Ndosiba Mvanzi Sébastien UDPS Tshisekedi, Mbuku Balele Pepe AFDCA, Mwanda 2 sièges, Nyondo Toko Robert AAAP,
Matumpa Buka Marcel, AFDCA. Sekebanza, un siège. Samba Nsitu Edouard, Abar AUNC. Songololo, deux sièges. Matomina Nsuela Zola, AVCA. Wameson Kwaloloki André, UDPS Tshisekedi. Enfin, Tchela, deux sièges. Nkongo Bamvangila Didier, Code. Mbadu Panzu Crispin Abbé. Et Sengel Boyebake avec 69 élus partis au pouvoir. UDPS Ezali na première position, il y a liste de formation politique. Oh, Jésus, grand nombre de sièges dans l'Assemblée nationale. Bazali suivi na INC avec 36 élus. PAFDC avec 35 élus. Yakejo. UDPS Tshisekedi. Ambiance moko festive et réniaki jusqu'au petit matin à la grande satisfaction de tout le monde. Très confiant, Namoussala Basalaki, durant période de la campagne électorale, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde, paix équipe Naye Mobimba ya campagne, Basanganaki na quartier général Nabango, installé na foire internationale ya Kinshasa Fikin. Et Sika Wapi, Bazalaki Kolanda en direct de la chaîne nationale, publication de résultats provisoires de l'élection législative. Et Bongo Tangu Bakomaki na circonscription ya Moamba, Ezalaki Somo. Kinshasa Moamba, 11 sièges à pouvoir, 1 Kazadi Kanton de Kouta. Azwaki maloba mère li ya Moamba maître Peter Kazadi Kankonde azalaki na bamo juste les amis reconnaissance c'est avec vous que nous nous sommes battus comme nous l'avons souhaité c'est avec vous je l'avais dit avec vous nous allons gagner ensemble aujourd'hui nous avons gagné. Ma maman, particulièrement, la tombe de Binomotundi. Merci. Le coronabino, le Bosalingaï meilleur élu. Je le rappelle encore, tant que tu es à la campagne, Naza Kosenga Bino, Bosalanga premier à Lema en 2018, Bosalanga premier à Moamba en 2023. Ah oui, et Yemba Balanga Nzembo, examen Bimi, Tika Bae Bazu Basepela, Ope Bazuite, Bazongi Salukumu, et Payanza Kumba. Oh, après tout, ce n'est pas la fin du monde. Hey, yo. Province de Kinshasa. Juste après publication, il y a un résultat provisoire dans la législative nationale par commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Naboutou ya dimanche 14 janvier leki, quelques candidats oyo bayoka ki ba kombo na bangote, ba s'exprima ki pona kotalisa insatisfaction na bango, à l'instar ya Jekobea oyo azala ki kozela avec toute assurance victoire naye na circonscription ya Moamba na ville province ya Kinshasa. La bengi tout le monde na mobilisation, je crois que to kondima injustice oyo basali te to kondima nomination oyo te. Trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso ya ngoy. Bato yo kadima nomé bazawa te. Bato kadima nomé bazawa te.
bazongi se la biso na batuwa na biso tokondima ata mukete batuwa na nyoso to tokondima bangote koma bako nomé bato basali musalate bazalate bayebi bangote et puis va pepe zo renseigner biso yango to lobi tokotika te deja lobi deja na tongo biso nyoso to tokene la seni tokobandela wana na bengi bino nyoso to boya. Il faut pas bomba biso soki ba bomba biso parce que eza droit na biso ba koki jamais ko yiba biso ba voix na biso to ko sama na bango ba zongi se na biso ba voix na biso ba to ba voter bazana PVT bazana peba ta mon côté bazate nulle part ba voter bango voilà pourquoi na sengi na bino botelema bon défendre voix na bino bon défendre intérêt na bino bon défendre parce que tobimaki to kendai ko voter to sali musala na biso to sengi mbongo te to sengi soutien mutu te to sali musala pour que to défendre bino voilà pourquoi na sengi bino to tele ma biso nyoso. De l'autre côté, candidat malheureux na circonscription ya Bulungu na province ya Kwilu, Noël Longia Mamakanda di Werenson pe atalisaki boye. Oyo sali na pasi na lelo ona 1h du matin. Nabeko o eta moli partout soi-disant ya ba fraudeur. Na makambo mine boyebi kuna na kati ngaku ata ekomo ko isa na muti. Komo na nga etanga mite même eko. Mais lelo na 1h du matin na moko na tali esali nga passe. Wa ba ke bato ba voter ngai. Ba sa dessus ba roler na kati ba roler la. Pour toucher ma mon carte à mettre ma pour ma bite n'a pas dit mon cousin à côté parlement il faut défendre les cultures surtout mon salon dans la salle à la musique le artiste va se couper pauvre la loi ou bat pas ou il fallait pas voter pour la artiste pour la protection d'artiste et mouton à salle à monter tout à côté social jeunesse ma camisa est belle surtout dans le territoire dans la boulot pauvreté ça ma casse faut tout à l'heure de défendre en haut mais yo pena ondini au sacrifier comme on a pour la mouvement ce soir côte il y a pas de problème mon frère mais il y a un mot aux visites nous allons vous visiter ngai dans la malba dans la pouvoir mon côté ngai le sang quand il assemble là na ibité ngai ouera son na sali na salani on dit bulimango ils ont monté bâti ils ont réciproqué ngai zola sa bonne foi amour. Mais nous avons toujours la déception. Ce n'est pas bien. Nous avons toujours eu le bâté. Nous avons toujours eu le merci parce que nous avons toujours eu le bâté. Nous avons toujours eu le maître et le temps et la circonstance. Nous avons toujours eu le bâté. Tous les fanatiques de la maison mère qui ont monté. Le problème est que nous avons monté. Nous avons toujours eu le continuer le boulot dans la salle. Mais on a dit que ça là. Et ça pour défendre les artistes et tout en général. Natala Piba Kamsous. Mais ça n'a pas de problème. La vie continue. Nangambu na yepe, moko ya ba candidat malheureux ya circonscription ya Mowamba, Lutumba wa Lutumba a mobilisé ki batu oyo basala ki marche moko pacifique tina suka po na kosala communication oyo. Nous avons occupé la tête de la liste du regroupement politique AAAP dans la circonscription électorale de Mwamba. Et logiquement, le siège nous appartient de droit. Mais il se fait que, en dépit des milliers de voix que j'ai engagées dans la circonscription de Mwamba, le siège est attribué malheureusement par la CENI à M. Steve Mbikayi, mon colistier, qui du reste n'a pas fait les scores. Et donc, cette situation injuste mérite d'être redressée. En tant que légaliste, j'ai jugé bon d'abord de saisir l'organe attitré, c'est-à-dire la CENI, et introduire ses recours pour lui demander de réparer les torts qui nous est injustement causé. Et bongo kuna na ngambu ya MLC bambala pe zalaki ya kozika kuna kutu batumbaki bapine na siège na bango ezalaki somo. C'est policier non, mais voilà.
Place Siko na ba recours, dossier à suivre. Il y a eu une réunion qui s'est tenue le 4 janvier à Wana Kinshasa pour déstabiliser ce pays. Une grande réunion, il y a un parti politique. En rapport à propos du journaliste Israël Mutombo, patron de la chaîne de télévision Bosolona Politique, dénonçant un certain complot contre la République, au cours de la réunion Moko politique tenue Mikoleleki, na centre se passe. Au même pied d'égalité à titre et information pour Bayeba, comment nous pouvons dévier le complot de l'ennemi? Ça, ce n'est pas une prophétie, et une stratégie. Oyo bato ba sali pour que ba déstabiliser Mboko. Une grande réunion et salama qui les quatre. Et salami awa na gombe la se passe. Ba sali réunion wana, na yebi bato ba participer na kata réunion. Il y a eu trois leaders. Père Alain Nzadi, directeur ya centre d'études pour l'action sociale se passe, a bimi na silence na ye pour na ko démentir information. Ici Gawapi, Atalisi Boye. Depuis deux jours, il circule une information sur les réseaux sociaux par l'étruchement du journaliste Israël Mutombo dans son émission, je crois, de Solona Politique, oui, voilà, qui dit que des groupes de politiciens et je ne sais moi quels autres acteurs se seraient réunis au CEPAS pour déstabiliser, soi-disant, le pays. Ça nous étonne parce que, effectivement, il y a différents groupes qui passent par ici et il y a eu des politiciens qui se sont réunis à plusieurs reprises. Et à la fin de leur réunion, le 6 janvier, effectivement, ils ont rendu public un communiqué par l'étruquement de l'opposant Martin Fayou. Et d'ailleurs, le journaliste Israël Mutombo était là pour couvrir l'événement et devant la presse nationale et internationale. C'est regrettable qu'il se soit comporté ainsi. Et j'allais dire, si monsieur le journaliste dit détenir des informations qui menaçaient la stabilité du pays, il sait comment procéder. Et je ne pense pas que ce serait sage que de vouloir créer du buzz avec de telles informations qu'il dit détenir. Des informations qui déstabiliseraient le pays. Est-ce que c'est sage de créer du buzz sur les réseaux sociaux avec de telles informations au lieu d'aller utiliser les canaux officiels pour aller voir les autorités et s'expliquer? Et dans une ville de 18 millions d'habitants comme Kinshasa, est-ce que c'est sage que d'ajouter encore une dose de psychose dans les têtes des gens avec une information pareille qui, à mon sens, n'est pas fondée. Donc, Monsieur Israël Mutombo ferait mieux, en tout cas, à la prochaine fois, de vérifier d'abord ses sources et puis de réfléchir deux fois avant de jeter comme ça de la psychose dans les têtes des gens et sans mesurer la portée de ses propos, les réactions que certains militants extrémistes pourraient adopter vis-à-vis non seulement du CEPAS hein, et du personnel du CEPAS, mais aussi vis-à-vis de beaucoup de personnes qui fréquentent notre centre. Il reste, j'insiste, un centre de référence, de réflexion qui accueille politiciens, société civile, intellectuels. Et quand je dis politiciens, que ce soit ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui passent dans nos salles ici pour des réunions, c'est le camp de l'Union Sacrée. Et ils sont très présents, en tout cas, pour solliciter des salles pour des conférences ici au CEPAS.
Na nyonso oyo biso population toko senga kaka na ba service compétent ba monisa éclairage na likambu oyo. Dossier à suivre. Et en tout cas, de mon point de vue, ces propos ont été irresponsables parce que ça peut prêter justement à des violences gratuites. À quelques heures, il y a entré, il y a ba Léopard, na phase finale, il y a 34e édition, il y a Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023, président, il y a comité, il y a normalisation, il y a Fédération Congolaise, il y a Football Association, FECOFA en sigle, a se confié à qui na presse, pour na kota li sa santé, pe ba objectif poursuivi, na ba Léopard, il y a République démocratique du Congo, pour na compétition, Oyo. Ben, c'est juste pour moi un signe important, qui a été, voulu par le premier des Congolais, grand supporter des Léopards, qui a voulu par ce signe-là demander aux Léopards de bien représenter la République démocratique du Congo à la prochaine CAN. C'est pour lui une façon de les envoyer en mission en tant que soldats du pays pour défendre les couleurs de la nation. Je pense le fait même de se retrouver ici à Abu Dhabi montre que le gouvernement et le président de la République sont focus pour que la préparation de notre équipe nationale se fasse dans des meilleures conditions. Et je pense que ce qui s'est fait jusqu'à présent a été dans la bonne voie. L'objectif, comme tous les pays qui participent à une compétition, est de la remporter, de ramener la victoire. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des favoris que nous pouvons négliger la préparation et se dire que on y va pour en promenade. Non, nous y allons avec courage et avec détermination pour présenter un visage rayonnant, un visage du renouveau du football congolais que nous avons déjà entrepris depuis longtemps, depuis quelques temps, je voulais dire, avec la qualification dans des conditions que vous savez tous. Il y a d'abord les matchs amicaux qui nous donnent une certaine idée de la valeur de l'équipe. Je pense que l'équipe a atteint un niveau assez important de préparation. Les joueurs sont capables, à mon sens, pour défendre l'honneur du pays. Évidemment, il y a des couacs. Et puis, dans le football, on s'améliore de jour en jour. Et devant la compétition qui arrive, je pense que tous les joueurs sont vraiment motivé pour présenter une belle image de notre pays. Bon, je pense que les sportifs congolais doivent tous se mettre derrière nos Léopards parce que eux-mêmes sont focus pour cette compétition. Ils ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes, de mouiller les maillots pour que nous puissions aller vraiment le plus loin possible au cours de cette compétition. Et je pense que nous ne serons pas déçus. Logé na groupe F, ba Léopard ya République démocratique du Congo, ba ko affronter ba Chipolo Polo Boys ya Zambie mokolo ya mercredi 17 janvier à partir ya 21h. Dimanche 21 janvier, ba kozala contre ba Lyon de Al Klass ya Maroc à partir ya 15h. Pe mercredi 24 janvier, et kozala nde bongo contre sélection à Tanzanie à partir ya 21h. Bonne chance na ba Léopard ya République démocratique du Congo. Yeke yo! Ah, oh, il a raison que ton commis n'a souk à la présentation. Il y a solo la plus boyka machine, fils, man, nazaï, qui n'est seulement kasi. Il y a kokoutana, nabino, bo sepeli, naba image, bo pesa, merci. Na ado, mocha, azalaki, na sima, caméra, régie finale, les simamaki, n'ingénieur, yann, mike, moulamba, montage, opérialisation, gédéon, loupoutou, bama, tabaki, tababa, le kalamabele, n'égrinkarna, loubarana, préféra, bino, ekeyo. We'll be right back.